Bonjour à tous, aujourd'hui on va coller les autocollants que vous savez qu'on avait genre dans les Everdreamers et dans les Scooby-Doo. On commence tout de suite après les Scooby-Doo. Magasins de jouets principalement, et on peut les trouver dans les grandes surfaces qui vendent des Playmobil. Oulala, tu nous en as tué un. Il se relèvera. On va essayer d'avoir quasiment tout complet, même si je crois qu'il nous en manquait un à nous deux. Est-ce que là j'ai les tiens aussi d'autocollants? Non, t'as pas les miens parce qu'ils sont rangés, mais t'as tous les tiens, c'est déjà pas mal. Et on rappelle que les autocollants, ils se trouvaient avec les petits personnages dans les petites pochettes. Et aussi pour les comme ça dans les boîtes. Oui. Donc normalement, il y avait un autocollant et une carte flexible, non? Ou c'était que des autocollants? Il n'y avait pas une carte dure. Là, il y avait que des comme ça, des autocollants. C'est dans les Everdreamers qu'il y avait d'autres choses. Si je te dis. Je regardais. Il me semblait qu'il y avait je croyais qu'il y avait des cartes. Par contre, après, on ne pourra pas le replier, tu vois. Ouais, il faudra peut-être le coller. Et il se vendait plié en quatre dans un petit magazine. Alors. Tout ça, c'est les méchants, non? Ouais. Tous les fantômes. Moi, je les ai pas tous parce que le reste, c'est ma reine qui y a. Bon, on n'en a pas tant que ça. Si, on en avait eu 11 sur les 12. Oui, mais on n'en a pas tant que ça de qui nous manque parce qu'on a, on s'est complété. Bah là, il y en a... Attends, c'est tout pour moi. Si j'en enlève un... c'est-à-dire que tu en as eu 5 que j'ai pas. Parce que là, il m'en manque 6, j'ai eu la moitié. Voilà. Ah, je me rappelle de ce... Ah si, j'en ai encore. Bah oui, je t'ai dit que t'en avais eu, tu les avais presque tous. Je me rappelle ce personnage vert là, où tu nous avais dit, je veux pas, il a un pied cassé, j'ai dû échanger avec lui, le mien. Malheureusement, non, un eu bras un cassé. Non, il avait un pied. T'es sûr? Oui, il lui manquait le talon, le pied de la chaussure. Ah oui, peut-être. Bah, regardez la vidéo, vous verrez bien. Ah, les héros, ils sont en bleu. Oui. En bleu vert. Peut-être qu'on les aura tous sauf un. Je crois. Ah, mais il y en avait deux qui ressemblaient. Ouais. J'aime bien, moi. Celui-là, on l'avait déjà. Le mobile citrouille, là. Tu le trouves sympa? Voilà. Oui, je l'aime bien. Donc, il y en a deux que j'ai pas, dont un que ma reine a eu, mais que du coup j'ai pas un autocollant. Et pour les héros, je crois que je les ai tous, non? Non, sauf Scooby-Doo. Et Samy. Si, je les ai tous. Bah parce que c'est les miens. Parce que toi, tu les avais pas. Ah, regarde. La petite boule, c'est Samy pour porter le chapeau. Si vous ne savez pas de quoi elle parle, j'espère que la vidéo est déjà sortie. Sinon, elle a teasé une prochaine vidéo. Donc, une vidéo justement sur ce thème. Ça sera une vidéo Scooby-Doo. Vous avez dû voir la boîte. Vous avez dû voir la boîte. Petite avant-première. Vite fait, bien fait. Donc, normalement, je crois qu'en espérant que vous ayez déjà vu la vidéo... Tu feras, ben on peut plus le plier. Tu feras en sorte de la mettre avant. Donc voilà pour les Scooby-Doo. Voilà, c'est pas mal. On a quasiment tout complet. Il en manque deux. Ouais. Et ils avaient fait pareil. Tiens, je te laisse leur montrer de plus près. Pour les Everdreamers. Ils ont fait pareil pour la saison 2 et ils vont faire pareil pour la saison 3, puis 4. Ouais, Everdreamers, c'est un petit magazine comme ça. Je cherchais pas plus gros. C'est un petit. Ouais. Enfin, encore celui-là, c'est comme un album. Donc, celle-là, est-ce que les... Non, là, c'est les quatre héroïnes. Donc, on a elle.
Là, les personnages, on n'en avait pas beaucoup dans la série 1. On devait en avoir 2, je crois bien. Celle-là, c'est la celle de la série 2, donc je peux pas la mettre là-dedans. On n'a pas trouvé le magazine de la série 2. Non. Mais bon, tu peux mettre les autres personnages. Je vais faire en sorte que vos rêves se transforment en cauchemar. Aïe, 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 quelqu'un a vu un dentiste? C'était du gâteau, venez donc dans mon parc. Ah, le personnage en or, il l'a eu. Je l'ai eu. Il l'a eu. J'ai pas l'autocollant ici. Là, on a Fiona. Qu'est-ce qu'elle dit, Fiona? Fiona, c'est là. Avec son petit panda. À chaque fois, ils ont des animaux très différents, je crois. Ouais. Artiste. Oh, elle avait un chat, elle. Ouais, on l'a pas, elle. Artiste rêveuse et réservée. Fiona est la rêveuse mystérieuse du groupe des filles. Elle est très timide et préfère expérimenter ses sentiments au travers des poèmes et des images. Elle ne peut se passer de chocolat, tout comme son panda, qui aime manger de temps en temps un morceau de la tablette. Et enfin, on a Kimby. Il y a même une petite histoire. Kimby, sa sœur, elle dit « Regarde, Kimby, elles ont accepté le pari sans réfléchir. Elles vont être servies. » Sachant que tu as eu l'autre personnage dans une autre vidéo, je te l'ai donné. Et après, regardez. Tous les badges. On doit les coller là, je crois. Attends, ils vont où leurs badges? Je sais qu'on pouvait les coller quelque part. Bah sur le bracelet peut-être. Ouais, sûrement sur le bracelet. C'est pas pour lui ça. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, ça passe vite. On espère qu'elle vous a plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, on vous rappelle tous les mercredis et les dimanches, une nouvelle vidéo. Salut!